Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle catégorie de vidéos où je vais tester et mettre à l'épreuve des produits. On va parler du carnet de croquis accordéon que l'on peut retrouver sur le site du Jean des Beaux-Arts. Il n'y a pas vraiment de marque pour ce produit, on sait juste qu'il s'agit de papier chinois. Il faut savoir que ce n'est pas un seul morceau de papier plié, mais plusieurs feuilles mises bout à bout et doublées pour former l'accordéon. Le papier est mat et a une texture assez fine, plutôt agréable. Par contre, il est indiqué que c'est du 300 grammes, ce qui m'étonne beaucoup, car le papier est plutôt fin, même doublé. La couverture en tissu est très jolie, les détails dorés apportent un petit plus. Je vais utiliser un feutre noir fin, qui est résistant à l'eau. Au début, j'appuie très peu sur mon feutre pour m'habituer à mon modèle et appréhender mon nouveau papier que je ne connais pas encore. Je remarque vite qu'il est très absorbant et que mon feutre fuse légèrement si mon geste est lent, ce qui est plutôt caractéristique des papiers chinois. Le papier agit comme un buvard et les couleurs fusent énormément. Il ne faut pas se fier aux 300 grammes, ce papier n'est pas vraiment adapté à de l'aquarelle précise. Enfin, on le verra par la suite, mais je trouve que les couleurs éclaircissent beaucoup au séchage. Je sens très vite que le papier est plutôt fragile, il faut éviter de passer au même endroit.
Voici un rapide coup d'œil à l'arrière de ma feuille. Même doublé, ça passe à travers. Globalement, j'ai eu un vrai coup de cœur pour ce carnet, pour son format et son originalité. Il sera parfait pour un carnet de voyage, notamment du croquis urbain et des panoramiques. C'est un bel objet et le papier a son petit charme. Attention cependant à l'aquarelle si vous n'appréciez pas ses effets de fusion. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Et s'il y a des produits que vous voulez que je teste, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires en dessous de cette vidéo. À bientôt !